Ekeseni, ekeseni, ndoka la via bado. Eka pwana, awana se amokili anzambe. Basusu bazwaka, basusu bazanga kamama. Basusu batona na bomengo, basusu basenga kamama. Boyo kandetina ya likambo, yeme ya boingai. Lina, lina na lingaka, kende na lembi, kopande la bandeko. Lina, osiliki nanga ise pamba, olongoli pafota na yo nata kundanga, likambo yango mpe bana. Nakolo bela yombo eba, matoye kole kaka motote. Kiti sape motema, ndeko ya mwasi, maloba na yo ekatinga yi motema. Yeba lokumu nanga inyoso, seo yo bebisi. Je veux recevoir aujourd'hui pour vous, en exclusivité, le seigneur Tabouley Rochereau, le monument vivant de la musique congolaise. Je vous l'ai dit aussi que cette année, c'est vraiment une année où on va festoyer par rapport à cet grand homme qui n'est autre que le seigneur Tabouley. C'est 70 ans. En tout cas, il y a des événements prévus pour cette année, pour l'anniversaire de celui qu'on appelle le monument vivant de la musique congolaise, celui qui a représenté l'Afrique noire à l'Olympia de Paris. Il est avec moi, vous serez surpris. Seigneur Tabouley, bonjour. Bonjour mon fils. En tout cas, c'est un plaisir. Ça fait quand même un beau bout de temps depuis vos problèmes de santé que nous n'avons pas eu l'occasion de vous interviewer. Aujourd'hui, nous sommes là. La question que les gens se posent, il y a eu des rumeurs comme quoi le seigneur Tabouley était mort. Il y a eu des rumeurs comme quoi sa santé, ça n'allait pas vraiment après votre accident cardiovasculaire. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous portez à l'heure où on parle ? Présentement, je me porte très bien parce qu'on dit la maladie vient très rapidement, mais ça part toujours doucement. Je suis en bonne santé, Anselme. Je suis guéri. Okay. Je suis complètement guéri. Okay. Mais j'ai des parties du corps qui sont dans les souffrances telles que les membres dans mes pieds, pied gauche, pied droit. Je suis venu en France chez les spécialistes. Je suis dans l'hôpital où se trouvaient Ronaldo et Samuel Eto'o. C'est là-bas qu'on me soigne. Mais sinon, intérieurement, je me porte bien. J'ai quelques petites séquelles invisibles. Mais sinon, je me porte très bien. Mais j'ai toujours dit, on a toujours, depuis que j'étais jeune, on annonçait plusieurs fois que je suis mort. Depuis que je suis venu en Belgique et à Paris, je suis mort peut-être 25 fois. Curieusement, je ne suis jamais ressuscité. On annonce toujours que je suis mort. Ça vous fait quoi quand on vous annonce mort? Quand vous apprenez la nouvelle que Seigneur Tabouley, il paraît, il y a des rumeurs, et il y a même des chaînes de télévision qui montraient déjà quelques de vos chansons en hommage de votre décès. Ça vous fait quoi? Ça ne me dit rien du tout parce que moi je suis un homme de Dieu. J'ai toujours dit Liwaya tabo izali na maboko ya nzami ya Yesu. Rochereau mwana ya Congo. Mokitani ya Wendo. Wendo est déjà parti, je suis là. Mais tout ce que je peux dire, c'est ceci. C'est que je suis un grand chrétien. Je suis petit frère de Jésus. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Parce que pour moi, la mort ce n'est pas une fatalité, c'est une destination. Tout le monde est destiné à la mort. On naît pour vivre et puis on vit pour mourir. Donc, s'il y en a qui a peur de la mort parce qu'on a annoncé qu'il va mourir, c'est que lui ne connaît pas ce que c'est la vie. Vivre, c'est être conçu, naître, grandir, travailler,
tomber malade ou par accident et mourir. Donc la mort, pour moi, ce n'est pas une fatalité, c'est une destination. Il y a une porte d'entrée, la naissance, et une porte de sortie, la mort. Ça, c'est ma façon de concevoir la chose de la mort. Quand on annonce que je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Si je suis parti dans les grands hôpitaux, là où étaient les Ronaldo, les Ronaldinho, à Salpêtrière et à les grands joueurs comme Samuel Eto'o, parce que je voulais aller dans des centres où les soins ne sont peut-être pas rapides, mais sont très sûrs. Voilà ce que j'avais à te dire, mon fils. Voilà. Alors, tu as dit que 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 tu as dit te souhaiter en côté, te souhaiter toujours longue vie au Seigneur Taboulay, à penser les lots à l'obi. Bisoka na mboka to renda hommage na batoyo bakufa, mais à sepeli à rendre hommage na Seigneur Taboulay. O a sala trop pour la musique na biso onga na bengaka boulevard ya musique na biso, à penser que ça la hommage moko en ouverture Naba festivité Oyo, la famille Tabou qui organise pour tes 70 ans d'âge. En tout cas, en ouverture, il y a un événement. Donc, on l'appelle Obimaki, meilleur artiste et cinquantenaire, a pensé que ça, l'événement dénommé Kofi chante Taboulay. Au vieux l'homme idée, allez moi la mort merci mingi pour la question là, moi la mort maël mingi. D'ailleurs comme on a eu un Kofi au l'homme idée, et l'ingoloba Kofi l'homme au mille idée by idée mille. C'est ma grande sœur Dimote qui est très connue par toutes les grandes femmes commerçantes de notre pays, qui a donné ce nom là à sa maman. Ami qui est grand ami de notre maman, ami qui est grand ami de mes sœurs dans la famille. Donc pour moi, Kofi, c'est mon fils comme toi. Donc je le félicite pour cette idée. Kofi a eu l'idée de m'honorer. De ton vivant. De mon vivant. Donc c'est un garçon très intelligent. Donc il ne le fait pas pour moi, il fait pour lui-même. Pourquoi ? Parce que le jour où je ne serai pas là et qu'il arrivait que lui tombe dans le cas où je suis tombé, il sera honoré. Nous dirons que Kofi s'était honoré à travers Taboulay, mais voilà aujourd'hui, les autres jeunes ou les autres artistes lui rendent cet hommage et ces honneurs-là. Donc je le félicite beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire directement, parce qu'il vous regarde? Je le remercie et je le félicite. Il doit savoir que être artiste, c'est beau, mais beaucoup d'artistes parmi nous n'ont pas fait les études. On s'est cassé la tête pour étudier, terminer et avoir un peu de matière grise dans la tête. Et Kofi a suivi notre pas. Moi, j'ai suivi le pas de Kabasele et de Vicky Longomba.